direct, bonjour à tous, ici Rouen Diatlantif. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le... Je crois que c'est le sixième épisode de The Escapist saison 3. Peut-être pas le dernier maintenant que j'y réfléchis, peut-être que ce sera le prochain que je tournerai, celui après. Donc, dernier épisode qui se fait, on a commencé notre plan d'évasion avec ce magnifique trou juste ici. Et en fait, il me faut récupérer beaucoup plus de bois parce que je n'ai pas ce qu'il faut en fait. Il me manque beaucoup de bois et je n'ai plus de sac de contrebande puisque je l'ai balancé dans les chiottes comme un con. Du coup, il va falloir que j'aille. Si je peux trouver les éléments pour m'en faire un, tant mieux. Est-ce que j'ai des quêtes? On va prendre un briquet à Craig, tabasser Jacob, ok. Si je peux récupérer de quoi me faire un petit sac de en mode urgence, ça peut être cool. Mais si je pense pas avoir le temps d'ici le déjeuner. Voilà, il me faudrait du scotch, mais j'en trouve pas. Ouais, nous avons profité de... Oui, une montre, ok. Fessiori, peut-être. James Elite, je suis pas fouillé. On a franchement marre de fou. Levez les mains si vous croyez qu'on avait l'air d'idiot. Non mais ils veulent tous se faire Henri en fait. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire de trouver du scotch. Donc je fouille vite fait un bureau. Non, j'aurai pas de quoi faire du scotch avant d'aller au boulot. Chiant. Chiant, ça veut dire que je pourrais pas ramener du bois tout de suite et ça veut dire qu'il va falloir que je fouille les bureaux, donc il va falloir que donc ça va être opération fouillons les bureaux dès que j'ai fini le boulot pour pouvoir créer sa montre pour oublier mon objet. Donc quelque chose que je récupère, t'en penses quoi? Il est déjà sur ma liste, donc voilà. Ils veulent se faire Henri, virer le chef. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc ce sera un épisode avec 2 jours du coup. Donc il faut que je récupère de comme faire un sac de contrebande pour récupérer le bois. Parce que le souci c'est que c'est pas qu'il n'y ait pas de détecteur ici, c'est que justement le détecteur est après, donc c'est plus cool. C'est qu'il y a des détecteurs qui entourent toutes les entrées de la prison qui sont là. Donc, c'est compliqué de faire rentrer des choses tranquilles. Alors non, je vais pas recharger ma partie. Donc trouver du scotch et surtout plein de bois en attendant de pouvoir me refaire un sac. Si j'ai de quoi me refaire un sac justement, mais genre un petit sac, hein, un truc qui dure 2 fois. Mince. Ça fait rien la touche. Ah oui. Un petit sac et puis ramener le maximum de support en bois en fait. Le but ça va être de ramener genre je pense 4 ou 5 supports en bois. Même téléphone. Allez, on teste. Le toit de la prison comporte plusieurs niveaux. Tu peux les traverser à l'aide de cordes de grappin, oui. Testez celui-là. If you want to lower the rings of heavy contraband item, you can store the item in the vent. Ouais, je peux planquer mes trucs dans les ventes, mais bon. Je vais monter ma force. Je ferai les fouilles cet après-midi. Puisque je vais avoir besoin de points de vie au cas où je dois me taper. Il part des blessures à l'entrejambe de l'infirmier à côté là, donc. En même temps, on est une prison d'hommes.
j'arrive à 25 PV, ce qui correspondra à 50% de la force. Je fais 47. Voilà, je suis déjà arrivé à 50%, ça va peut-être baisser, mais bon. Du coup, je suis à 26 de vitesse, qui sera pas mal à remonter. Pardon. Regardez devant vous, bande d'abrutis. Déjà, tu me parles poliment. Oh putain, les scotch, merci. Les heureux gagnants de la fouille sont... Jackson et Lidja. Putain, j'ai été fouillé qu'une seule fois dans cette putain de prison. Jackson somnifère, si tu veux. Hop. Du bois, génial. Oui, je risque d'acheter du bois autant que possible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais un truc en tête. Récupérer des cuillères, notamment. Récupérer, genre, beaucoup de cuillères, histoire d'économiser mon outil. Pas de somnifère là-dedans, non. Voilà, un petit sac de contrebande et tac tac, un support en bois. Voilà, bon, fouillons pour trouver du bois. Du coup, ça va être objectif de trouver du bois et trouver aussi du matos. Ça va pas me servir. Le chocolat, je garde parce que je vais avoir besoin de bouffe. La nuit, déjà c'est seulement un truc. Donc tabasser Craig, tabasser Jacob, trouver une montre et des somnifères. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. Faut que je plaigne quelqu'un. Non, merde. Donc c'est une montre et quoi, somnifère. Une montre déjà, et c'est Craig. Si je trouve son bureau et qu'il a tout le matos dedans, c'est cool. Sinon, bah, je vais devoir lui défoncer la tronche en bonne et due forme. Medikit, je prends, c'est jamais. Même pas de la bouffe. Craig. Il a la lampe et il a de la bouffe. Il a de la bouffe, c'est pas des somnifères ça. Un paquet de cartes pour filer à quelqu'un au pif. Tiens, une carte. Et c'était pour qui la montre? C'était pour Stepway, donc il faudrait que je la lui file. De baseball, c'est sympa. Et donc il va falloir que je pète la tronche à Craig pour obtenir le dernier truc. Je vais me faire choper. Le scotch, ça me sert à rien maintenant. Mec, capté au dernier moment. Oh, putain. Nourriture cuite, kit de soins, montre. Donc je pense que je vais continuer de doser à vitesse. Alors Stepway, c'est lequel déjà? Même Stepway. Super. Alors Craig, c'est lui que je dois retaper. Il n'y a personne qui vend des somnifères. De l'autre, j'avais le temps. Tu pouvais pas demander avant, Radford, merde. Henri, moi qui pousse ma trek. Ils vont rien d'intéressant. Qu'est-ce que... Mais ils veulent tout. Eiko. Continue à monter à vitesse. Et j'ai d'ailleurs découvert que je pouvais juste me contenter d'appuyer sur A. Ça marchait.
forêt, quand t'as le rythme, c'est tranquille. Oh, le flic qui met 30 secondes à se réaliser qu'il y a une baston juste à côté de lui, quoi. J'adore comment je me vénère à chaque fois que je fous un coup. Est-ce que j'ai bien monté ma vitesse? 32, bof. Pour avoir fait presque 36 trucs, sachant que ça me rapporte tous les deux machins, je crois, donc pas top. Ah, je suis pote avec Stepway, tiens. Période libre du soir, je vais déposer tout ce que j'ai dans le bureau. Je regardais si j'avais bien la tenue d'acier là. Voilà, il va me falloir de la bouffe et je vais fouiller pour trouver vraiment d'autres supports parce que là ça va vraiment me manquer. Je vais juste avoir le temps de creuser un truc. Il faut aussi que je prenne des cuirs, c'est vrai. Y a rien, faut aussi que je trouve des somnifères. Et si Craig passe par là, je lui pète la gueule. De la bouffe. De la bouffe et une cuillère, ça m'épargnera d'aller en chercher au moins une. Bah quoi, quoique je vais toutes les prendre, ça sera pratique. Je vais me faire griller, putain. Ultra instinct. J'ai vu dans le futur. Putain. Ultra instinct de mes yeux. Putain mais. Mais merde, ils sont tous au dernier rendez-vous ici ou quoi? Putain. Et voilà, il va me frapper maintenant. Hop. Tac. Voilà. Il va falloir que je planque toute ma contrebande derrière. Enfin, surtout ça, ça et ça en fait. Le maker, je peux me le permettre de le perdre, ça se fabrique facilement. Le sac de contrebande aussi. Tac, tac, tac. Ouh, mais il y en a beaucoup. La vache. D'ailleurs, en parlant du mannequin, je pense que je vais le foutre dans les toilettes. Voilà, le mannequin, je vais surtout le poser. Je pose surtout les nuits pour éviter de me faire. D'avoir des problèmes, quoi. En espérant que je suis pas fouillé ce soir, sinon je suis dans la merde en fait. À la limite, je vais me trimballer toute la contrebande, mais bon. Les voir en ligne tout de suite. Les organions de fouille sont. Clark et William, c'est bon, je suis pas fouillé. Bon. Tranquille. Hop, il file rien. Et Clark, il file rien. Qui t'autorise à tousser, putain. Henri, officier. Henri, pendant qu'on y est. Quelqu'un a trafiqué la moumou du directeur, que. J'ai toujours pas compris ça. Je vais vous effacer vos souhaits en coin. Comme je le disais avant d'être infidèle, ça il raconte sa vie. Oh, TG. TG. Yep. Du coup, tac, 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 j'ai beaucoup de cuir.
Jeff, est-ce qu'il n'y a pas de flic qui arrive? C'est bon, ils ont pas viré mes drapeaux. Bon, on va creuser un petit peu. J'avais même pas entamé le mur et je pense que je vais pas avoir assez de cuillère de toute façon. Ça fait du par 4 donc je peux l'utiliser 6 fois donc ça fait 24. Non mais pas 7 fois. Donc 28 x 3 ça marche pas. Est-ce que j'arrive dans les 70? Je crois même pas. Alors, le truc c'est que je vais pas avoir assez, c'est que je vais avoir besoin de bouffe. J'ai quoi ici? Ah, j'ai un autre support, j'avais pas vu. Ah non, c'est le support que je vais me poser, je suis con. Hop, tire la chasse d'eau au cas où. Je vais prendre surtout le chocolat, c'est ce qui se consomme le moins, c'est ce qui se consomme le mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, faut que je laisse un truc à la surface. Hop. Si je tombe sur un rocher, je vais péter un câble. Et là. Ton inventaire est plein de une. Et là, ils vont me dire, vous devez consolider le tunnel. Merde. Ok. Hop, 6. Là, elle va crever. Maintenant. Tu es trop fatigué. Ouais, voilà. Consomme les deux chocolats que j'ai. De toute façon, avoir de la boue, ça c'est facile. Il a combien? Il a 48%. Hop, je réorganise un petit peu. Tac. Allez, je vais prendre les deux poules avec moi parce que c'est bon. J'avance le plus loin que je peux. Descendu à 73. Voilà, ça a pété. Creuser. Là, je suis beaucoup trop crevé, il est 5h du matin, je vais pas avoir le temps de continuer, faut que je remonte.
Hop, donc je suis good. Je peux pas sauvegarder, merde. Plus sauvegarder, putain. Ah fuck, j'aurais dû. J'aurais peut-être pas dû autant pousser, mais bon. Au moins le tunnel avance bien. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être récupérer beaucoup. Ça va être de récupérer du bois. Donc je vais garder une bûche de côté, donc je vais ramener 4 supports je pense, pour en faire 5e, 4 ou 5 supports comme j'ai dit. Et m'en faire un 5e ou 6e. Et surtout que je trouve énormément de pouf. De bouffe. Parce que ça, ça va être important. Limite le mannequin, je peux le remettre là-dedans. S'amuse en attendant. Oh non, non, c'est 8h. J'hésite à repartir, mais c'est 8h que ça sonne. Aussi, il faudra que j'avance mes dessins de Linktober. Là, je suis en train de finir celui que je fais aujourd'hui, ce que celui que je fais pour aujourd'hui, donc le jour 6. Et y a rien qui m'intéresse là-dedans. Et faudra que je prépare les ceux pour les jours suivants. Tant de mètres de avance. Ron et Craig, putain! Ah, Karma is a bitch. Quand tout se passe bien, faut toujours que je me fasse fouiller. Hop, j'ai entendu parler d'évasion. Il y a un crétin qui traîne dehors l'extension du fond. Bon, faut que j'attende que je me fasse fouiller, quoi. Le truc, c'est que je suis pas assez fort pour mettre à terre un garde, donc. J'attends que le garde vienne. Ok, je pense que j'ai été fouillé là. Hop. Alors je vais être à la bourre pour le boulot, mais bon. Excusez-moi, j'ai pas très faim ce matin. Au moins je vais pouvoir y aller plus vite. Oh putain, je suis monté à 86. Merde, c'est parce que je suis pas allé, quel con. Ah ça, j'étais pas au courant que c'était aussi violent. Ah la vache, bon. On va faire le boulot comme d'hab, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fouillait pour voir si je planquais rien. Réformez-vous. Non à la réforme. Hop, je rapproche mon PC. Parce que je suis un peu loin. Hop. Tac. Je pose mon carnet.
Et la dernière chaise. Voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie intéressante du plan, qui est la max de support en bois. Là, je vais pouvoir en faire que 4 et du coup je vais ramener la bûche pour faire le cinquième. Il va pouvoir tenir que 4 fois, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Si je suis encore fouillé là, ça va, mais alors à l'avenir. En fait, je voulais surtout pas me bouffer mon sac, quoi. Hop. J'ai 5 fucking supports en bois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de matos en fait. Parce que à la limite, le maquin, je peux le foutre dans les toilettes. Hein. Et après, c'est tout quoi. Bon, allons trouver du bois d'ailleurs. À la limite, je pourrais aussi caler deux supports. C'est pas une grosse perte. Ouais, il faut que je trouve de la bouffe, c'est vrai. C'est toujours pratique. J'ai quoi comme objectif? De l'eau de javel, des somnifères, Tabassé Craig et Jacob. Dans leur dos. Et merde. Dans la peur d'être fouillé. Peut-être même le sac de contrebande, allez. Hein. Voilà. Faut vraiment que je garde le plus de support en bois possible parce que ça va être plus pratique, ça sera moins emmerdant. Et Arthur suivante, on gagne une fouille. William et Ronald. Génial, il file du bois, cool. Et c'est John avec qui je veux parler. Il file pas de bois, putain. Par contre, il file assez de trucs pour faire un sac de contrebande amélioré. Henri. Putain, ils ont toujours leur quête d'active. Je m'entends pas avec lui, donc va faire quoi autre. Et Jacob, bah, de toute façon, je vais te péter la tronche, donc voilà. Voilà, trouvons du bois maintenant. Du bois et de la bouffe. Surtout de la bouffe, en fait. Il va falloir aussi que j'aille améliorer mes stats parce que là je rebaisse en force et ça me plaît pas du tout. Parce que le jour où je vais devoir me taper avec les gardes, ça va pas du tout le faire en fait. Hop, deux notes. Un intéressant. C'est de l'eau de javel, je crois, qui m'a dit. Eau de javel et somnifères. Putain, forcément. Chocolat. Et aussi prendre les cuillères de la caisse présente. Putain, il y a tous les prisonniers qui sont amenés d'un coup, putain. Putain, mais il y a le droit d'enfreindre la liberté de... individuel des autres sans souci. Hop, tiens. Maintenant crève. Il tape plus vite que moi, va falloir vraiment que j'y fasse quelque chose. De l'eau de javel, ça j'ai. Il me manque juste des somnifères. J'ai rien d'illégal sur moi, ça.
Donc remonter la force en priorité. Peut-être que je vais même faire un troisième jour, allez. À compter toutes mes sales combinaisons de directeur pour baisser sa peine, je pense que ça mérite des coups. Je tape pas Radford, en plus on s'entend plutôt bien, ça va. Bah tiens, d'ailleurs, c'est pas lui qui... Oui, c'est lui qui voulait au Javel. Au prochain Mandou, je distrais les gardes pendant que je pars, j'ai une cellule à foutre en l'air. Peut-être. J'ai peut-être envie de me taper là. Oh putain, il y a baston. Bon, je vais pas perdre de temps, sinon je vais me faire encore engueuler. Et déjà que je vais prendre cher au score final. Donc on va y avoir la réputation. Alors, sorry, Lidja. Voilà. J'ai intelligence qui baisse, ça va falloir que je la remonte. Sinon, j'ai peur de plus pouvoir faire trop de craft. Donc trouver de la bouffe encore et du bois, c'est toujours ça qu'il me faut. Là j'ai récupéré que tu as du chocolat et un donut, donc ça va pas du tout le faire. Ouais, je peux me tirer en douce. Hein. Oh, c'est irrespect, je me suis cassé comme un vieux voleur alors qu'il restait 5 minutes. Alors avant que le fic revienne, voilà. D'ailleurs, volons un maximum de cuillères. Il m'en faudrait que je récupère les 4 autres. Ça me permet surtout d'économiser mon outil. Dont j'abuse un petit peu, mine de rien. La bouffe, à la limite, je la garde avec. La bouffe, je la garde un peu avec moi. Voilà, j'ai pas besoin de monter à 80 non plus, je me laisse une petite marge d'erreur, on va dire. De notes. Toujours plus de bouffe. Là, j'ai pas mal de bouffe déjà. C'est pas mal. Il y a beaucoup de pas mal dans ce que je viens de dire. C'est... Je vais me faire griller. Que dalle! Oh, ninja, quoi. Ce ninja. Oh.
On se câble les filles. Hop, 24. Et je récupère combien? 19. Ouais, bon, j'ai perdu 3 dollars quoi. Jackson, il est où? On va procéder à la fouille. William. Et je ne suis pas fouillé de toute façon, c'est ce qui compte. Hop, je calcule. Je remettais la vitesse de mon pointeur. La bouffe de la cantine va être rationnée. On a l'air d'idiot, votre avis. On devrait vous abattre. Eh ben c'est très gentil. Il y a un crétin qui traîne dehors à l'extinction des feux. On en a franchement marre de vous. Que de joie et de gentillesse dans les mots de ces gardes, assez fou. Hop, du coup, va falloir que je déplace beaucoup de trucs ce soir. Je vais avoir tellement de trucs à déplacer, c'est chaud. Je pense que je vais surtout foutre tout ce que je peux derrière là et dans le souterrain. Je peux rien mettre dans le souterrain, je crois, donc je vais mettre le plus de trucs derrière. La bouffe, je peux la garder. Ça y est, pas de souci. Il y a un garde qui passe devant. Alors, je vais mettre mes rideaux. Hop, mannequin. Et là, va falloir déplacer. Alors, je vais foutre. Je vais surtout mettre ça derrière, en fait. Merde, ne te trompe pas de bouton, Rouen, c'est pas le moment. Voilà, j'ai mis plus de trucs derrière. Le sac de contrebande, je garde, je vais encore ramener du bois. Quant au reste. Organise tout ça. Quant au reste, je vais transférer des cuillères 2 histoire de me faire de la place. Ah, et là, je vais me calmer parce que je vais aller trop loin sinon. Voilà, là, j'ai beaucoup de matos. De planquer, donc il va falloir que je fasse gaffe. J'ai 5 de bouffe, j'ai 2 trucs de soins. Les trucs de soins, c'est vraiment au cas d'urgence. Du coup, sauvegardons et enchaînons avec le troisième jour. Ouais, du coup, je vais pas avoir le temps d'aller voir où je suis rendu, mais je suis rendu assez loin, je pense. Plutôt loin, je pense pas être encore du mur, encore être en dehors du mur d'enceinte. Je dois être rendu genre par là. Donc je continue à creuser autant que possible. Et dès que j'ai le temps, en fait, je vais aller faire un tour pour voir où est-ce que j'atterris en fait. Enter, et déjà, je suis pas fouillé. Appelez-moi Sire quand vous me parlez. Là, je pense que j'ai 5 supports en bois, sachant que c'est toutes les deux cases. Bah, je peux encore, je m'en fais encore un, je me ramène une seule bûche de bois, ça va suffire. M'informer d'un striker parmi vous. Putain, c'est qui? Striker, pour ceux qui savent quoi, c'est un mec qui s'amuse à courir à poil. Hein. Remercie Internet. Hop, et je pense que j'ai du coup assez de cuillère. Faut que je remonte ma vitesse et ma force, putain. Il faut vraiment que je bosse les deux stats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis resté assez longtemps en self. Je vais aller démissionner de mon boulot en fait. Voilà, je vais arrêter le boulot. Voilà, histoire d'avoir la période de libre du coup. Histoire d'avoir la période de libre pour pouvoir bosser mes stats et fouiller les cellules comme il faut. J'ai plus tellement besoin de l'argent là maintenant.
allant monter la vitesse. Chaussette et Jacob. Ultra instinct. Non, non, c'était pas Jacob, c'était William. Putain, le con. Il m'a fait flipper. J'ai cru que Jacob se relevait qu'au dernier moment j'ai cliqué. J'ai le droit d'avoir l'espoir. Ah, par contre, j'ai séché mes trucs, mais par contre, je suis monté à 35. Ce qui est pas mal. Bon, c'est juste 15 de plus par rapport à ce que j'ai à la base, mais bon. Par rapport au minimum. Et donc je fouillais les bureaux pour trouver de la bouffe. Et il faut que je trouve quoi d'autre? Que je tabasse Craig, c'est vrai. Oh, jackpot. Ça, j'appelle ça un jackpot. Là, je suis au bout de ma vie quand même. Je suis au bout de ma vie. Je pense que je vais chercher de la bouffe histoire que ça descende un peu. Puis si c'est pas descendu assez, je passe un coup sur les douches. Alors, Craig, c'est qui? Craig, c'est lui. C'est le deuxième chauve de la prison. Alors, je le perds pas de vue, je suis pas fouillé, donc il n'y a pas de souci. Vous pourriez pas vous séparer, vous deux? Putain, il est en train de me défoncer. Voilà. Autant laisser faire les vrais. Officier Tasty. Nickel, bon. Je vais surtout fouiller les cellules du bas parce que c'est les plus safe. Il n'y a pas de flic, bien évidemment. C'est parti où les flics? Une sortie par la cuisine. Putain. Combo. Est-ce que je peux le voir, le tonneau? Non, c'est pour le filer à quelqu'un. Allez, au pif, toi. Je suppose que c'est de la bière. Hein. Une bonne tonneau de bière. Attends, il est déjà 16h? Bon, bah, je vais aller augmenter. J'ai assez de cuir pour le moment. Je vais augmenter la salle quoi.
qu'est-ce qu'il a sur lui? Un donut. Pouf, je me suis même pas fait fouiller, il était sous les tables. Je suis passé, j'ai mis un pied dedans, j'ai simulé que j'avais perdu du pognon. D'ailleurs, est-ce que le pognon est légal en prison? Maintenant que j'y pense. Allez. Un peu, je vais être à la bourre, je sais, mais il faut que je remonte ma force impérativement. Voilà. 51. Je crois que je me souviens qu'il y avait une prison où j'avais fini avec tout à 100%. Donc je n'ai plus de faveur, ça c'est cool, je vais être un peu plus libre. Parce que je n'ai plus vraiment de pognon. Putain, il s'est pris zéro dégâts ou bien? Bah ils ont pas de bouffe. C'est que je mets mes doigts, c'est que je mets mon dos au-dessus de la touche pour aller en arrière. Il y a beaucoup de trucs mais il n'y a pas de bouffe. Alors je me tiens devant la porte d'entrée ouverte mais, ça va. Ta gueule, c'est pas logique. Enfin, fini, oh, je sais plus. Ça se fait qui regarde d'ailleurs, quoi. Tiens, je vais le faire pâte avec lui. Voilà. 79. Tiens, je me fous dans la porte d'entrée, c'est bon, je suis pas grillé. Si je me fous dans la porte d'entrée, je me fais pas griller. Ok, stop. Hop. J'ai pas besoin non plus de stats incroyables, de la bouffe, génial. Radford, je te file le scotch. Par contre, je. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut que je sois à 15 pour être hors des murs. Qui, je pense, sont les murs extérieurs d'ailleurs. Ouais, ça m'a l'air d'être les murs extérieurs. Donc, il faut que je le sois à 15. Il faut que mon tunnel fasse 15 de long avant de pouvoir creuser. Donc 16 plutôt. Vous appelez ça être à l'heure. Greta, nous allons fouiller si ils sont. Putain. Je suis fouillé. Après j'ai pas grand chose d'illégal, hein, ça va. Putain, mais c'est bon, j'étais là quoi. Fouiller rien sans bon.
Est-ce que je vais m'évader ce soir? C'est la question que je me pose, donc il faut que je fasse. Donc si je j'exclus ce bloc-là, donc ça doit faire. Mon tunnel doit faire 16 de long au total. Donc vert. Ce truc rouge, c'est mes draps et ma tenue, quoi. Alors j'attends que le gardien me fouille. Ah, excusez-moi, j'ai reçu un message. WhatsApp. Je pense qu'il est venu le garde. Sais plus s'il est venu ou pas. Dans tous les cas, bah, va falloir y aller. Je pense très sincèrement que là, il y a possibilité de s'évader. Donc, au pire, j'ai eu la save. Le max de bouffe. Allons-y donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis au 8. C'est laquelle m'a presque pété? Ah bah, je l'ai plus. Merde, putain. Putain, à la con. Je vais foutre la terre dans les toilettes. Donc, je suis à 8 cases. Celle-là va être la 9e. Est-ce que je prends le risque d'utiliser mon outil? Allez. Alors ça m'a bouffé. À l'appel. Ah, j'ai creusé suffisamment de trucs. Et ça me prend qu'un à chaque fois en fait. Donc je peux y aller très vite. En fin de compte. Donc là c'est 9. J'approche des limites de la map là. C'est clairement. Ah, là, j'y suis presque. Je me tire ce soir, c'est bon, c'est officiel. Enfin, ce soir dans le jeu quoi. Par contre, je suis crevé. Je bouffe un poulet. Tente toute la terre là-dedans.
Je vais défoncer mes cuillères, hein, écoutez. Donc là, je dois être à 12. Mes cuirs sont pétés, c'est pas grave. C'est vraiment là, je n'ai plus rien à foutre. Je passe à l'appel. Non, 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 merde, merde, merde. Putain! Ça craint, ça craint, ça craint. Est-ce que j'ai de la terre pour boucher? Putain! Non! Oh fuck! Ah oh, le con, c'était la manip que n'a surtout pas faire, merde! Bon, ça a foiré. Bon bah, je vais couper l'épisode ici, mais on s'en fout. Le prochain épisode, je me casse. Et surtout, je ne creuse pas en haut. Ah la connerie! Putain, j'ai même pas envie de faire d'autres. Hein. Oh putain! Oh l'erreur! Dégoûté. Bon bah prochain épisode, je me tire officiellement.